Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Al Review. Vous êtes avec Ali, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravi aujourd'hui en tout cas de vous retrouver. Merci à tous d'avoir partagé la vidéo, merci de l'avoir liké, merci de l'avoir commenté, merci de m'avoir poser des dizaines de questions sur les produits qui sont passés, sur les choses à venir. En tout cas, je suis ravi, on est de plus en plus nombreux. Certaines personnes n'arrêtent pas de me contacter en me disant qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'en suis vraiment flatté et ravi. Et c'est pour ça que je le fais, justement, pour passer vraiment du bon temps ensemble. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques produits, ben, comme d'habitude, en espérant dans les semaines qui vont arriver, ben, de tenir ma promesse et de faire ce que je vous ai promis sur une des dernières reviews, c'est de faire quelques vidéos supplémentaires au-delà de ceux de mardi. En tout cas, on a commencé à en tourner quelques-unes. On est en train de voir lesquelles vont être mises les premiers. En tout cas, voilà, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, comme je l'ai tourné spécialement par rapport au numéro qui est passé dernière, donc c'est le numéro 12, ça j'en suis sûr puisque je l'ai tourné il y a quelques jours. Donc voilà, aujourd'hui, ben, je vais vous parler de trois produits exactement, deux produits physiques et un produit PDF, un truc qui va être en téléchargement. Il y aura deux produits français et un produit américain. Le premier produit, c'est une nouveauté, c'est je l'ai à peine reçu il y a quelques jours. C'est Money Switch de Michael Châtelain que vous devez connaître, hein. Je parle de Michael Châtelain surtout, et peut-être que vous n'avez pas encore découvert Money Switch, mais ça y est, ça vient de sortir il y a quelques jours. Donc voilà, c'est un tour de Michael Châtelain, toute l'ingéniosité, toute la créativité de Michael. Donc ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, on m'a demandé vraiment, en m'envoyant des dizaines de mails, etc. C'est un tour en fait que Luc Langevin a fait dans une émission française qui s'appelle Actuality, où en ce moment, il y a trois magiciens entre autres, hein. Il y a mentaliste Victor Vincent, mentaliste Antonio, et Luc Langevin qui passe régulièrement sur cette émission, qui font du très bon travail, vraiment bravo les garçons, parce que ça met vraiment vraiment une bonne dynamique à la magie et vous faites des choses de super. Et donc Luc Langevin a fait un petit tour, bien sûr on m'a demandé mon avis sur les autres aussi, mais Luc Langevin il y a quelques semaines a fait un tour qui est d'un créateur américain qui s'appelle Tim Trono et qui est un tour qui a déjà été vu, revu, qui a été reviewté plusieurs fois, qui a, je sais même pas si c'est le mot exact reviewté, mais je sais qu'on en a parlé, je sais que c'est passé dans plusieurs avis. Donc ce tour là s'appelle Branded, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est Branded de Tim Trono. Alors j'ai contacté Team pour savoir si effectivement le tour était encore là. Moi c'est un tour que je fais, que j'ai fait moins, ça serait vous mentir de dire que je continue à le faire, mais je l'ai fait pendant une époque. C'est un tour quand même qui est sorti fin 2007, début 2008, hein, donc de mémoire, donc il me semble que c'est ça. D'ailleurs je devrais regarder, ça doit être indiqué effectivement marqué 2008, donc c'est vraiment un produit 2008, donc à quelques années, et effectivement il a été épuisé pendant un certain temps, du moins en tout cas il a fait un gros carton et puis il s'est arrêté, et puis il y en a maintenant de nouveau. Donc j'ai demandé à Tim Trono si on pouvait toujours en avoir. Effectivement, il m'a répondu que oui, sauf que comme c'était un tour qui était sorti en exclusivité, on va dire, création par Murphy's, donc c'est toujours Murphy's qui produisent, effectivement, ils en ont toujours, donc j'en ai rentré quelques exemplaires, et je vais donc vous parler un tout petit peu de ce qu'est Branded, même si certains doivent connaître, peut-être que d'autres non, mais en tout cas, voilà, deuxième produit, c'est Branded, et le troisième produit, c'est aussi tout frais, c'est tout neuf, ça vient de sortir à l'instant, c'est un PDF, un e-book, hein, qui vient de sortir, je vais vous montrer ça, ça s'appelle Inversion, c'est un e-book créé par deux Français. Je vous montre la pochette, c'est ici, ça s'appelle Inversion. Donc c'est un e-book de Yves Méret, hein, je pense qu'on doit dire comme ça, et Pierre Bock. Bon, Pierre Bock, je connais beaucoup. Yves, sûrement que j'ai dû le croiser, mais je connais peut-être moins personnellement que Pierre. Donc voilà, c'est leur nouvel e-book, je vais vous en parler, je vais vous dire un peu le prix, ce que vous trouverez dedans. En tout cas, moi je suis ravi d'avoir trouvé un truc qui parle de ce sujet-là et en plus en français, donc c'est beaucoup plus facile à comprendre quand c'est en français. Donc voilà, ça c'est donc les trois produits, Money Switch de Michael Châtelain, Branded de Tim Trono et Inversion de Pierre et de Yves. Donc voilà, mais avant d'aller plus loin, avant de vous montrer le matériel, avant de vous dire les points de vente, etc., je voudrais juste revenir un tout petit peu sur la dernière review. Sur la dernière review, je vous ai parlé de Robbie Morland avec son download, hein, sa vidéo de téléchargement. Entre le moment où j'ai tourné la vidéo et au moment où je vous parle là, ben maintenant il y a le DVD physique
Hein, la dernière fois, je vous ai montré ça en téléchargement. Donc maintenant, on peut avoir le DVD avec en fait exactement la même chose que vous aviez en téléchargement. Mais le truc a tellement marché, a tellement plu à beaucoup de gens que finalement, ils ont fini par sortir le DVD. Donc je voulais juste vous en montrer. Hein, j'en ai parlé sur la dernière review. Mais pour juste vous dire qu'entre-temps, c'est arrivé. Donc maintenant, on le trouve en boutique et pas seulement qu'en téléchargement. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais vous donner. En tout cas, maintenant, je vous dis à tout de suite pour le déballage et ce que vous allez recevoir si vous décidez d'acheter ces tours-là, etc. etc. Alors les amis, on en est arrivé à la partie où comme d'habitude, hein, je vais vous dire un tout petit peu ce que vous recevrez comme matériel si vous achetez, si vous avez l'intention de vous procurer ces tours, les points de vente, les prix à peu près que vous trouvez. Donc pour Money Switch de Michael Châtelain, ben, à peu près comme à chaque fois, Michael Châtelain vous donne un petit sachet avec ben, le matériel qui est nécessaire. Alors je vous rassure, vous avez tout ce que vous avez besoin, sauf un tout petit peu, ben, comme d'habitude, un petit point de colle comment on appelle ça, une petite règle pour pouvoir vous guider, une paire de ciseaux, voilà, et bien sûr vos billets de banque, hein, parce que comme je vous ai dit, le tour est un truc avec de la monnaie, donc de l'argent. Donc vous recevrez donc la première des choses, le petit papier avec le flash code pour pouvoir vous connecter, le lien vidéo pour pouvoir vous connecter. Donc il y a une vidéo à peu près de 45 minutes où Michael vous décortique toutes les procédures pour fabriquer le gimmick. Croyez-moi, c'est rien à faire du tout. Il y a trois points de colle et puis un petit peu de découpage, rien d'infaisable. Ensuite, vous avez dans votre petit sachet quelques petits cartons autocollants. Donc, c'est des autocollants qui vont représenter en fait des monnaies qui vont être l'euro, monnaie chinoise, japonaise, américain et anglaise pour pouvoir faire la version que vous avez envie pour pouvoir faire votre gimmick. Donc ça, c'est ce qu'il y aura dedans. Vous aurez aussi, très marrant, deux petits papiers, un bleu, un rose. Au début, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, c'est pour pouvoir fabriquer votre gimmick, pour vous entraîner. Bon, il explique que c'est pas nécessaire, mais ça peut être sympa de pouvoir avoir... premièrement, un petit gimmick comme ça, juste pour s'amuser avec, comprendre les mouvements. Et une fois que vous les avez compris, vous passez à la version truc. Même si je pense comme Michael que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, voilà, il vous les fournit. Donc, c'est une bonne intention aussi. Ça vous évite d'aller chercher du papier quelconque. Vous avez aussi une petite enveloppe. Dans cette petite enveloppe, il y a quelques petits accessoires qui vont vous permettre d'affiner votre gimmick et que votre gimmick fonctionne correctement. Il y a aussi du double face. Il y a une carte à jouer qui va vous être utile dans une des versions de son Money Switch. Donc voilà, donc petite pochette, ces choses-là, les autocollants, en fait, c'est très simple, vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir fabriquer Money Switch sans aucun problème, tout est bien détaillé, c'est en français, il n'y a aucun souci, c'est du carburant de Michael Châtelain, hein. C'est vraiment des idées made in Michael Châtelain. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Le pitch, ben, vous l'avez compris, hein, c'est tout simplement, vous prenez un billet de 10 euros, vous le transformez en 20, en 3 mouvements. Et effectivement, Michael vous promet, et tient sa promesse, et je peux vous garantir que la promesse est tenue, en 3 mouvements simplement, paf, vous allez transformer un billet de 10 en 20, un billet de 20 en 50, un billet de ce que vous avez envie, puisque quand on comprend après la méthode, j'ai vu traîner plein de choses sur les forums, je vous garantis qu'une fois que vous connaissez la méthode, vous pourrez transformer n'importe quel billet en un autre billet sans aucun souci. Il suffit juste de bricoler votre gimmick qui va vous convenir. Bien sûr, Michael ne fournit pas d'argent, c'est illégal. Donc, c'est à vous après de faire la version que vous avez envie, de 10 en 20, de ce que vous voulez, selon vos moyens, selon ce que vous avez envie. En tout cas, voilà pour ça. Le prix est pas excessif, c'est 25 euros. Vous trouverez chez tout le monde, AMF, toutes les boutiques en France et dans le monde, ça sera à 25 euros. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout ce qu'il faut est là pour pouvoir faire le tour. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, Brandette, vous recevez, ben, comme c'était sorti en 2008, c'était encore à l'époque où vous aviez encore... j'ai égaré le gimmick. Vous avez toujours la boîte avec le DVD. Donc, c'est une espèce de boîte double DVD qui va vous permettre d'avoir le DVD qui est super bien fait, qui est fait avec Greg Wilson, qui vous montre dans tous les sens tout ce que vous pouvez, possible, inimaginable, comment faire cet effet-là, Branded. Donc voilà, et ensuite vous avez vos deux gimmicks qui sont en fait tout simplement deux petits étuis, des porte-bics
que vous pourrez adapter à votre BIC version BIG. Je ne sais pas si on peut appeler ça big, mais en tout cas version normale, standard. Et les petits, donc vous avez deux gimmicks qui sont fournis avec, qui vont pouvoir s'adapter à votre gimmick. Donc le matériel est super bien fait. C'est vraiment du plastique très dur. Voilà, tout ça, c'est dans la boîte normale. Donc encore une fois, dedans, il y a un super DVD qui vous explique, je ne vais pas vous dire exactement combien il y a de temps dans le DVD, mais il y a en tout cas un bon moment. Voilà, les plus grands pensent que du bien, Daryl et compagnie. Il y a un truc aussi très sympa dedans que j'ai découvert. Alors, je ne sais pas si c'était dans la première version quand je l'ai acheté la première fois, mais dedans, on peut aussi télécharger le fichier en français d'explication. Je ne sais pas pourquoi vraiment. Puisque de toute façon, dès qu'on a vu le visuel, on comprend ce que c'est. Donc voilà, ça c'est pour le matériel que vous aurez si vous achetez Branded. Qu'est-ce qu'est l'effet Branded? Le pitch à peu près, c'est que tout simplement, vous allez sortir un jeu de cartes à un spectateur, vous allez lui montrer toutes les cartes sont différentes, il va en choisir une, et cette carte, vous prétextez que vous allez récupérer son ADN, le pouvoir que si vous faites un tout petit peu ce qui a fait un peu Luc Langevin, je pense que c'est ça qui a fait que tout le monde a voulu voir Luc Langevin, parle et dit qu'il a le pouvoir et la capacité de cicatriser très vite, etc. Et il tourne un peu dans ce sens-là. Et ensuite, vous sortez votre briquet, vous expliquez que vous pouvez, dans la flamme, essayer de capter l'image, la carte qui a été choisie. Et paf, vous prenez la flamme, vous prétextez comme si vous étiez brûlé. Et quand vous allez montrer entre votre pouce et votre index, on va avoir des, entre guillemets, des petites cloques. Du moins, entre guillemets, on va avoir des cloques qui vont apparaître et ces cloques représentent le 3 de cœur par exemple ou le roi de carreau, la carte qui a été sélectionnée par le spectateur. Donc voilà à peu près l'effet. Maintenant après on peut le tourner de plusieurs manières différentes, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais ça c'est pour Branded, donc de Team Trono, matériel et truc. Le prix chez moi à l'AMF est à 35€, il est aussi pareil, je l'ai vu entre 30 et 40€ maximum dans d'autres boutiques aux États-Unis, en France pour ceux qui le proposent. Je sais que beaucoup ont pensé que c'était épuisé pendant un certain temps parce qu'on n'en arrivait plus à en avoir. Maintenant, c'est fini, on peut en avoir de nouveau. Donc voilà, ça c'est pour le prix, les magasins, encore une fois, AMF et plein d'autres. En tout cas, moi, vous le trouverez chez moi et chez plein d'autres. C'est un tour qui a beaucoup plu. D'ailleurs, il a cartonné parce que David Blaine l'a présenté à la télé américaine à l'époque. Et là, boum, on a demandé à tout le monde d'avoir ce tour-là. Et c'est comme ça que Team Trono a décidé de le sortir. Donc ça, c'est pour les deux produits avec des gimmicks physiques et tout ça. Ensuite, maintenant, je vous parle très rapidement de Inversion. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Donc de Inversion, donc ce PDF. Ce PDF, qu'est-ce qu'il a? En fait, il contient une cinquantaine de pages. C'est fait par Yves Méré et Pierre Bock. Et ça parle en fait d'un système qu'on appelait ou qu'on appelle toujours le Mathematical Three Card Monté, et qui est en fait un truc avec trois objets qu'on pose sur la table, qu'on fait manipuler, le magicien ou le mentaliste arrive à deviner le choix du spectateur. Donc c'est un classique de Bob Humeur, hein, pour ceux qui doivent connaître tout ça. Et Pierre et Yves ont y apporté beaucoup, beaucoup de choses différentes. Mais je vais vous donner maintenant où on peut trouver Inversion, donc en fait directement chez Pierre et chez Yves Méré. Alors Pierre sûr parce que je l'ai commandé chez lui, Yves je n'ai pas regardé vraiment, mais en tout cas je vous mettrai le lien pour pouvoir commander ce produit. Je vous en parlerai un tout petit peu plus derrière en vous décortiquant un peu les routines qu'il y a à l'intérieur. En tout cas c'est un super produit, c'est une belle découverte, moi je suis vraiment content d'avoir acheté ça. Ça coûte une quinzaine d'euros de mémoire et c'est même sûr. Donc voilà, je vous dirai tout ça un peu plus tout à l'heure. En tout cas voilà pour les trois produits. Je vous dis à tout de suite, je vais vous mettre la démo du teaser de Michael Chatelain qui est très bien fait, donc il n'y a pas de raison que je la fasse moi. Et puis je vous ferai peut-être la démo de Branded pour voir un peu plus le visuel de très près. Et puis je vous parlerai un tout petit peu plus d'Inversion. Voilà, je vous dis à tout de suite les amis pour la suite de la review. We'll be right back.
Alors, les amis, on en est arrivé à ce que je pense et mon avis sur le tour Money Switch de Michael Chatelain. Donc, vous avez pu voir le teaser et la vidéo de Michael Chatelain en train de faire l'effet comme il vous promet en 3 secondes. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur Money Switch ? Un, déjà que c'est un produit français, donc c'est du produit Michael Chatelain. Vous savez, comme moi, j'invente rien. Michael sort énormément de produits. C'est un créatif de folie. Je sais pas à quoi il carbure, mais des fois, je suis moi-même étonné du nombre de profusion de tours. Donc, je pense que c'est un garçon qui est très ingénieux, mais il est surtout très organisé dans sa tête. Parce que quand on n'est pas organisé dans sa tête, c'est très, très compliqué la production. C'est très compliqué de faire un truc comme ça. Donc, maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais des money switch, des switch de billets, il en existe. Il existe des centaines et des centaines. Effectivement, il en existe plusieurs avec, entre guillemets, FP, avec un vrai billet, un faux billet, avec des copies, de multiples machins. Il en existe des dizaines et des dizaines de versions. D'accord ? Mais Michael Chatelain a créé la sienne, sa version à lui. Et pour être honnête avec vous, la première fois où je l'ai vu faire la démo, j'ai quand même un tout petit peu tiqué. Parce que comme il le dit lui aussi, et je suis même convaincu qu'il allait le dire dedans, et il l'a dit, quand il m'a présenté ou quand il a fait la démo de son tour, on a tendance toujours à tenir le billet dans le coin ici. Et je ne dis pas que c'est soupçonneux, mais c'est vrai que souvent, les méthodes de pliage de billets, on a souvent la partie gimmick qui est en haut, dans le coin à droite ou dans le coin à gauche ou de l'autre côté ici ou ici. Donc, chaque fois dans un coin, en fait. Là, le truc où ça a été vraiment très étonnant, c'est que le gimmick n'est pas dans les coins. Et donc, ça m'a très troublé au départ. Et en plus, l'effet est vraiment quasiment... on a presque l'impression de ne pas quitter le billet de vue. On a l'impression qu'il se change vraiment dans un mouvement de continuité, si je peux appeler ça comme ça. Et donc voilà, donc sa méthode est vraiment bien pensée, elle est bien réfléchie, elle est propre. Effectivement, c'est un gimmick qui va vous permettre que faire cet effet-là une fois que le gimmick sera monté. J'ai cru entendre et lire à droite à gauche qu'on ne peut pas faire le money switch en empruntant un billet. Faux. Archi faux. Quand on a un minimum de bagage technique, quand on a un savoir-faire, quand on est capable de faire un peu de magie, on doit être capable d'emprunter un billet de banque, de jouer avec ce billet de banque, avec n'importe quoi, le billet transpercé, prétexter que vous allez le gagner ce billet en faisant un jeu, quoi que ce soit, et à un moment donné, switcher ce billet pour pouvoir parfaitement faire. D'ailleurs, il vous démontre, Michael, à la fin, avec une version supplémentaire, un espèce de bonus, qu'on peut le faire en switchant. Donc, il fait une transposition de billets de banque entre un billet de 10 et un billet de 20 avec son portefeuille. Et à la fin, vous êtes clean. Vous êtes clean au départ, vous êtes clean à la fin et tranquille. Mais au-delà de cette version-là, vous pouvez, sans utiliser son portefeuille et sa version bonus dans le DVD et dans les explications, vous pouvez très facilement prendre un billet de banque à quelqu'un et prétexté par X réseau. D'ailleurs, si vous voulez des méthodes pour pouvoir switcher des billets, n'hésitez pas à appeler moi et j'essaierai de vous envoyer 2-3 idées pour pouvoir le faire et pour pouvoir après être avec votre billet de banque dans les mains et pouvoir faire votre change et voilà. Et puis à la fin, pareil, une fois que vous aurez votre billet de 20, c'est le billet que vous avez transformé en 20, donc c'est votre billet de 20. Donc, ce n'est pas celui du spectateur. Donc, vous pouvez le ranger et revenir avec, entre guillemets, un billet complètement ordinaire qui, lui, pourra être examiné, etc. Donc, normalement, tout ça pour vous dire que nous, magiciens, dans nos tiroirs, dans nos bagages, dans nos techniques et dans notre savoir, on doit être capable de faire ça. Ça ne doit pas être une barrière, mais à 200%, quoi. Parce que souvent, j'entends des discours, oui, mais on ne peut pas changer, on ne peut pas donner examen, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Ce n'est que des problèmes de magiciens, ce n'est pas des problèmes des spectateurs, c'est les magiciens qui se mettent des problèmes tout seuls. Donc voilà, ça en tout cas, sachez que vous pouvez le faire. Donc, méthode facile. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais encore une fois, oui, mais il y en a plein avec l'FP, avec... Oui, on est d'accord, je ne dis pas le contraire, j'ai moi-même acheté un bouquin une époque à peu près épais comme ça, qui reprend quasiment tous les switches de billets qui existent, je l'ai appris moi-même, je l'ai fait très longtemps avec un switch classique OFP que j'ai appris de Michael Amar et puis plusieurs autres versions. Il y a aussi bien sûr tous les switches de Richard Sanders et compagnie avec une multitude de billets. Mais en tout cas voilà, ça c'est la version de Michael Chatelain, c'est sa façon de faire à lui, elle est très propre. Si vous n'avez pas de méthode ou vous n'avez pas envie de
travailler des changes avec un billet de 10 euros OFP, ben, vous avez ça qui va être là. C'est très, très facile. Je tâcherai peut-être de vous montrer une petite idée que j'ai eue avec Money Switch, mais avant de vous la montrer, je veux d'abord en parler à Michael Châtelain, et je pense qu'il y a dû y penser lui aussi, et s'il me dit, ok, la semaine prochaine ou dans une prochaine review, je vous montrerai moi la démo de Money Switch comme le fait Michael, en y rajoutant mon petit détail qui me paraissait assez sympa et qui pourrait donner un côté visuel à la finalité, mais le processus reste le même, le gimmick reste le même. Je ne touche pas au gimmick, c'est juste un angling différent que je tâcherai de lui en parler, de lui en parler. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Si vous n'avez pas ce genre de switch truc, croyez-moi, c'est super intéressant, c'est super bien pensé. Vraiment, vous avez vraiment le billet tel que vous le montre Michael. Honnêtement, je vous garantis que moi-même, je pendant un certain temps, j'ai pas vu à quel moment ce switch faisait, même si je savais qu'il y avait un pliage. Alors, il y a en comparatif, encore une fois, il y a des dizaines et des dizaines de méthodes. Moi, en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est très bien, que Michael Châtelain a fait du bon travail sur ça, que c'est un très bel effet. Je pense qu'en réfléchissant bien, vous allez trouver des dizaines et dizaines de manières de le présenter. Vous pourrez avoir le gimmick tout le temps sur vous. Si vous en avez plus besoin, Michael vous détaille comment après récupérer vos billets en étant tranquille après, parce que comme vous avez pu comprendre, il ne peut pas vous fournir des billets de banque, juste des petits éléments qui vont vous permettre de pouvoir le faire. Et encore, je suis convaincu que si vous voulez le truc à 100%, utilisez ça, parce que Michael dit qu'on peut prendre un vrai billet et faire ce qu'il faut pour avoir un truc encore plus parfait. Je vous garantis que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est dedans, il le dit, hein, mais tout ce qui est dedans suffit complètement à faire ça. Donc voilà, pour ne pas rendre la chose un peu lourde et tout ça, croyez-moi, c'est un très bon produit, sinon je ne vous en parlerai pas comme d'habitude, c'est ma philosophie. N'hésitez pas, allez-y, regardez encore plusieurs fois la démo, c'est fidèle à ce qu'il a dit. Je sais que souvent on est un peu titillé avec les gimmicks parce que ça marche pas, ça casse pas, c'est compliqué à mettre en place, etc. Là sur Money Switch, vous n'avez aucun problème. Une fois que votre gimmick est monté, ça prend 15 minutes à fabriquer, et puis une fois que c'est fabriqué, paf, vous l'avez, c'est dans votre portefeuille, vous êtes prêt à tout moment pour le faire. Donc voilà, en tout cas bravo Michael, je te dis chapeau pour cette idée, et voilà. Encore une fois, si vous voulez des comparatifs, des choses similaires, des choses qui ressemblent à des Switch, appelez-moi, je vous donnerai une liste parce que je ne peux pas la donner complètement là. Dernièrement, j'ai même vu un PDF qui vient de sortir sur la boutique Le Petit Magicien, qui est sympa aussi. D'une seule main, il arrive à plier. Donc là, ce n'est pas un gimmick qui vous fournit, c'est à vous de vous fabriquer vous-même aussi votre gimmick. Donc, c'est un téléchargement. L'idée est très bonnard aussi parce que vous partez d'un simple billet que vous empruntez, vous le pliez, en le dépliant d'une seule main, il se transforme en deux billets ou tout simplement une monnaie complètement différente. Donc allez voir ça, si vous voulez, je peux vous donner le nom exact de ce produit, comme ça vous pourrez aller voir directement. Donc c'est sur la boutique, comme je vous dis, Le Petit Magicien. C'est un produit à eux, donc forcément vous irez voir ça. De souvenir, c'est quelque chose qui coûtait aux alentours de ça s'appelle Monnaie Instantané, et c'est un téléchargement qui vous va permettre de fabriquer votre gimmick. Donc c'est une dizaine d'euros. Donc voilà, c'est complètement une méthode complètement différente. Mais tout ça pour vous dire quoi, que si je commence à vous donner plein de trucs sur les billets, je vais vous en donner des dizaines et des dizaines. Ça c'est pour les derniers qui viennent de sortir. Mais en tout cas, allez-y, Money Switch, c'est une très très belle création de Michael Châtelain. Je vous dis les amis, à tout de suite pour le deuxième produit et le reste de la revue. Alors les amis, juste un petit, l'effet vraiment très basique de l'effet Brandel, juste pour vous dire un petit close-up. Alors vous étonnez pas, j'ai éteint un tout petit peu les lumières pour qu'on puisse essayer d'avoir l'effet qu'on doit avoir pour Branded, même si malheureusement là on n'est pas en condition live, et en condition live les gens pourraient s'approcher et faire eux-mêmes un close-up sur vos doigts. Donc vous sortez votre jeu de cartes, vous expliquez que bien sûr vous avez des cartes toutes différentes, hein, vous montrez qu'il y a le choix dans toutes les cartes, et que vous dites au spectateur que vous allez faire des petits tas sur la table, et il va vous dire stop, ou vous faites votre technique que vous voulez, la personne vous dit stop, vous lui tendez la carte, il la prend et bien sûr il la visualise
il la visualise jusqu'à là, rien de rien particulier, et vous expliquez que où on remet la carte dans le jeu, ou vous pouvez aussi la laisser dans ses mains, et vous avez besoin de votre briquet, et vous sortez donc votre briquet, et vous expliquez que maintenant, vous allez essayer de captiver l'énergie, vous allez prendre l'énergie de la carte, et vous vous concentrez quelques secondes sur la carte, pendant que le spectateur, vous lui demandez, pensez à votre carte, envoyez-moi des bonnes ondes, etc. Et vous dites que ça manque d'énergie, et donc vous allez utiliser votre briquet pour avoir un peu plus d'énergie, et là vous vous approchez pour lancer l'énergie sur la carte, soi-disant, vous faites comme vous avez envie, hein. Et là, aïe, oups, vous dites que vous avez fait une petite bêtise, vous venez de vous brûler les doigts, et en vous brûlant les doigts, il y a quelque chose qui apparaît très près du doigt. En fait, si on voit bien ici, on voit sur mon index là qu'il y a, je vais essayer de l'orienter pour qu'on puisse le voir, un 3, et que sur mon pouce ici, que je bouge, on voit un cœur, d'accord, je vais mettre le maximum le plus près, le 3 de cœur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous avez choisi aussi le 3 de cœur. Bien sûr, pour pas que les gens soient un tout petit peu surpris, vous passez vos doigts quelques secondes ici pour montrer que tout simplement, vous cicatrisez très rapidement et qu'en fait, vous n'avez plus rien et vous pourrez remontrer vos doigts, il n'y a plus de cloque. Alors les amis, on est arrivé à ce que je pense de Branded, donc ça va aller très très vite, c'est de la bombe pour moi, c'est tout simple, c'est un effet super, j'ai même, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un produit qui quand il est sorti, quasiment tous les magiciens américains et d'autres avaient ça sur eux, j'ai même l'intention de le remettre un tout petit peu dans la poche et dans mes affaires de close-up parce que c'est super intéressant comme effet. La vidéo de démo parle d'elle-même, hein, comme vous avez pu voir, hein, l'effet, vous faites choisir une carte, paf, ça apparaît. Donc c'est un pratique, c'est facile, vous n'avez qu'à avoir votre briquet dans votre poche. Honnêtement, si vous ne voulez pas le briquet dans la poche, vous pouvez avoir que le gimmick dans la poche et emprunter un briquet, le temps d'emprunter un briquet, vous avez largement le temps de faire ce que vous avez besoin. C'est le genre de choses que vous dit Greg Wilson dedans, parce que c'est Greg Wilson, comme je vous ai dit, qui est sur la vidéo. Donc voilà, c'est facile à faire. L'effet est fort, les gens seront surpris. Vous avez, avec la version BIC normale, vous avez la possibilité d'avoir 3 cartes, plus des cloques aussi. Vous avez, comme vous avez pu voir, la petite version petit briquet, là c'est une seule carte, mais c'est largement suffisant. Donc c'est facile à avoir sur soi, l'effet est fort sur le public, c'est super sympa, ça fait pas vieux tour, ça fait pas tour très moderne, ça fait quelque chose de très sympa. On peut combiner ça avec plusieurs autres choses. Ça peut être une révélation dans plusieurs choses. On pourrait très bien faire l'effet dans le bras avec la cendre, utiliser le briquet justement pour brûler ces trucs. Vous avez une première révélation ici. En ayant fait ça sans le vouloir, vous vous êtes brûlé les doigts et vous avez la révélation d'une deuxième carte, etc. On peut le combiner vraiment avec plein de trucs. Donc vraiment, le produit est super bien pensé. C'est vraiment très 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 fun. Moi j'aime beaucoup, je sais qu'à l'époque où c'est sorti, encore une fois, beaucoup de magiciens s'étaient arrachés dessus et tout le monde fait ça et c'est une des rares créations de Team Trono qui est très très bien pensée et je peux vous garantir que c'est une création de Team Trono pour deux raisons. La première des raisons, c'est que Team Trono, je le connais un tout petit peu pour avoir partagé des moments avec lui, c'est un ami depuis quelques années. Il m'a montré des documents qui prouvent et qui attestent que c'est sa création. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il est sorti il y a quelques années en parallèle un effet similaire qui s'appelle, je l'ai noté devant moi pour être sûr de ne pas dire des bonnes choses, même si mon anglais n'est pas top, ça s'appelle Third Degree Burn. Donc, il existait la première version et deuxième version. En fait, c'était un gimmick que vous aviez sur vous pour pouvoir faire le même effet. Certains expliquent que ça a été trouvé en parallèle, et donc voilà, bon, je ne vais pas vous faire tout un truc là-dessus, mais en tout cas, un magicien qui s'appelle Jason Palter a créé ça aussi il y a quelques années en arrière,
et sa version Third Burn quelque chose, lui, il a la possibilité, en fait, il avait deux versions. La première des versions qu'il a sorti, la numéro 1, c'était un choix limité de quelques cartes, comme la version Branded, où vous êtes forcément limité par trois choix. La deuxième, le deuxième version, donc le 2.0, ça a été une version ultime. La version ultime, qui coûtait à l'époque à peu près dans les 75€, 80€, c'est un gimmick que vous aviez dans la poche, et ça, ça vous permettait de faire un choix libre de cartes. Donc une carte, et même plus besoin d'un jeu, vous faites nommer une carte, vous faites écrire une carte, vous prenez l'information que vous avez besoin, et vous avez au bout des doigts, après, grâce au briquet emprunté, le doigt brûlé avec ça. Donc il y avait un gimmick un peu pas compliqué, mais que vous aviez dans la poche, il suffisait de travailler un tout petit peu, et si vous l'aviez en main, vous pouvez faire cet effet. La seule contrainte, c'est que vous aviez besoin d'avoir la main quelques secondes dans la poche et vous trifouillez un tout petit peu. Donc bien sûr, on pouvait combler le temps, c'était facile quand on est magicien et qu'on cherche un tout petit peu, on finit par trouver à quel moment on doit le faire, etc. Donc voilà, c'était la version ultime. Je vous le dis parce que c'est un parallèle du produit de Branded. Mais en tout cas, le créateur, c'est Tim Trono. Et d'ailleurs, en parlant de Jason Palter, après quelques années, a pensé aussi à une version avec des symboles ESP qu'il a appelé Psionic. Psionic, c'est un effet de Jason Palter avec effectivement la même chose que Branded, sauf que là, c'est des symboles ESP. Ce n'est pas un briquet, c'est juste un gimmick. Il a très bien fonctionné à l'époque où c'est sorti, puis on en a entendu moins parler, alors peut-être que ça a fait moins de bruit parce que c'était limité peut-être qu'à des symboles ESP ou des choses comme ça, donc ça a touché peut-être un public de magiciens différent de la version avec carte, mais en tout cas, je vous le dis, ça existe, d'accord? Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est des parallèles à ça, mais la version psionique de Jason Palter, si cette chose-là vous intéresse, je vous renvoie plutôt sur quelqu'un qui est un magicien français qui s'appelle Bruno Mongeal. Je vous le mettrai le lien en bas. Bruno Mongeal, en parallèle, sans connaître psionique, vraiment, honnêtement, sans connaître psionique, il a créé lui aussi, avec Frederickson, cette version avec des symboles ESP, en pensant faire ce truc-là. Alors, comme c'est un magicien, Bruno Mongeal, qui crée beaucoup de choses sur le feu, j'aurai l'occasion de vous parler un tout petit peu de son travail dans les prochaines reviews. Il a sorti ce fameux gimmick, un gimmick qui va faire la même chose en fait que Psionic, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous faire une cloque avec le symbole ESP dans les doigts. Et donc, j'ai vu cet effet et ayant eu Psionic entre les mains il y a quelques temps, je lui en ai parlé un tout petit peu. Effectivement, il m'a dit qu'il a créé aussi un gimmick. Il connaissait mais vraiment pas Psionic. Et je vous garantis que si vous avez un choix, je le dis vraiment pas parce que j'aime Bruno et que je connais Bruno, mais tout simplement, j'ai eu les deux versions et je vous garantis que la version de Bruno est beaucoup mieux parce qu'en fait, elle marque beaucoup mieux les doigts, elle est beaucoup plus travaillée, elle est beaucoup mieux faite. Pour une simple et unique raison, je pense que parce que Bruno fait ça lui tout seul dans son coin, il en fait quelques exemplaires, alors que Jason doit produire ça à une échelle peut-être plus machin, donc forcément des gimmicks un peu moins affiné entre guillemets. Donc voilà, si cette méthode vous intéresse au niveau des symboles ESP, au-delà de Branded, c'est bien sûr des cartes à jouer. Si vous voulez vraiment une version avec des symboles ESP, je vous mettrai le lien parce que ça n'existe qu'en boutique chez Bruno pour le moment. J'espère, je souhaite que ça soit commercialisé un jour en boutique. Hein. Je crois que Bruno en ce moment est en train de voir avec Jason pour pas qu'il y ait de problème, etc. Comme à chaque fois dès qu'il y a un produit qui sort. Mais comme c'est deux garçons intelligents, je pense qu'ils vont trouver une super entente entre eux. En tout cas, moi, je vous recommande d'aller voir Bruno si vous voulez cette version ESP parce que son gimmick est bien foutu. En plus, ça va dans un porte-clés que vous pourrez avoir sur vous. Jason aussi, hein, pour être honnête avec vous, Jason aussi, vous pouviez transporter le gimmick. Mais en tout cas, voilà, celui de Bruno est mieux fini, il fait mieux les traces, mieux tout ça. Donc voilà, ça c'était à peu près un parallèle aussi. Je pourrais aussi vous parler d'un ami qui s'appelle Zenet Coq. Zenet Coq vend aussi un produit qui vous permet d'avoir des cloques sur les doigts et qui se faisait avec un clip de cartes. Donc vous aviez votre paquet de cartes, vous prenez votre paquet de cartes et sur votre paquet de cartes, vous avez les fameux clips qu'on met dessus. Et bien sur les clips, en fait, dans les quatre coins des clips, vous aviez aussi la possibilité, juste en tenant les doigts quelques secondes, d'avoir aussi une trace sur les doigts. Beaucoup de magiciens, croyez-moi, ce que je vous dis est vrai, beaucoup de magiciens ont acheté ces clips en pensant que c'était juste des clips pour faire joli. Sauf que non, en fait, c'était fourni pour pouvoir faire aussi
et en plus de protéger le jeu, de pouvoir avoir les fameuses cloques sur les doigts pour pouvoir faire le tour comme Branded. Bien sûr, vous étiez limité aussi par des cartes, mais en tout cas, ça existe. C'est un produit qui était sorti par Zenetcoque, que vous pourrez trouver sur Facebook et tout ça. Je ne sais pas s'ils continuent à produire le truc, mais en tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère que je n'ai pas été confus dans ce que j'ai dit. Branded, super effet, vous avez pu voir la démo. Si vous voulez la version ultime, allez voir Jason Palter, mais comme je vous ai dit, ça va tourner dans les 80€, mais ça existe encore. Vous avez aussi la version Symbol ESP. Là, à ce moment-là, je vous renvoie plutôt sur la version de Bruno parce qu'elle est mieux finie, elle sera beaucoup mieux. Puis en plus, c'est un produit français, donc je préfère vous envoyer sur un produit français. Et donc voilà, j'espère encore une fois que j'en aurai pour pouvoir vous montrer vraiment, vraiment comment fonctionnent ces appareils-là et vous faire la démo en live. Mais en tout cas, n'hésitez pas à l'interroger Bruno. Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que ça? Good, bravo team. Celui qui met beaucoup de valeur dans le produit, c'est Greg Wilson dedans parce que c'est un entertainment de malade, hein, c'est un de mes magiciens favoris, Greg Wilson. Donc voilà, il a des idées, toutes les instructions qu'il faut, tous les handlings possibles et imaginables. Et voilà, merci à tous les amis, puis on va passer à la suite de la review. Merci. Les amis, maintenant on en est arrivé à ce que je pense donc de Yversion. Et qu'est-ce qu'est Yversion de Pierre et de Yves? Donc Yves Méré et Pierre Bock. Yves, j'espère que je n'écorche pas ton nom. Pierre, je connais un tout petit peu, mais c'est Yves Méré. Donc qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est un PDF qui va faire à peu près une cinquantaine de pages où ça va vous expliquer le fameux tour et la fameuse, comment je pourrais dire ça, cette fameuse thématique qui s'appelle The Mathematical Three Card Montée de Bob Humer. Le Three Card Montée de Bob Humer, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fameux tour, vous avez dû voir déjà des versions très similaires où vous avez trois objets sur la table, vous demandez à un spectateur de se concentrer sur un objet et ensuite, pendant que vous êtes de dos, de lui faire faire des manipulations et quand vous revenez, quelque chose vous permet de savoir quel est l'objet qu'il a choisi, etc. Bien sûr, sans électronique, sans gimmick particulier, juste trois objets empruntés. Donc en fait, Inversion, ça va en fait se baser sur ça. Mais deux petits détails. Un premier petit détail, vous n'êtes pas obligé de connaître la version de base de Bob Humer pour pouvoir profiter de Inversion. Eux, ils citent Bob Humer parce que c'est dans la même thématique que Bob Humer dans ce principe. Mais où est la force d'Inversion, en tout cas de tout ce que j'ai lu? Je l'ai dévoré en une soirée et j'ai vraiment bien l'intention parce qu'il y a une ou deux versions dedans qui m'intéressent puisqu'il y a plusieurs versions. Donc, la méthode de Pierre et de Yves, je me permets de les appeler Pierre et Yves, ça sera plus facile. En fait, ils vont beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont beaucoup plus loin? En fait, les versions classiques que vous connaissez tous, là où ils vont plus loin dans leur PDF et dans leur e-book, c'est qu'en fait, ils vont vous permettre de forcer la position d'un objet pensé. Ils ont trouvé une méthode qui va vous permettre de forcer la position d'un objet pensé. Donc, c'est un peu peut-être confus ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et ensuite, un deuxième point où on va encore plus loin, c'est faire coïncider un objet pensé sous un contenant, sous quelque chose de caché. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais faire coïncider un objet. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire amener à mettre un objet sous une tasse, mais que vous pensez et que vous emmenez le spectateur. Donc, c'est vraiment des subtilités qui vont beaucoup, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et c'est vraiment, vraiment très étonnant et j'aime beaucoup. Donc, ils vont vous parler dans les premiers temps de la méthode de base pour comprendre tout ça, comprendre un peu tout ce système. Le PDF, il est super bien illustré. Je peux vous montrer très rapidement dans les premiers trucs pour vous compreniez. En fait, on a beaucoup de dessins comme ça qui sont super bien foutus. D'ailleurs, je les convie à c'est une petite idée, hein, mais je les convie à peut-être balancer sur Internet 2-3 photos de la manière dont c'est construit. Je ne veux pas trop en montrer non plus, mais je vais aller un peu plus loin. Regardez un peu le détail, c'est un travail de fou. Ils ont fait des trucs avec des mains pour comprendre un peu comment les trucs avec des objets, vraiment, vraiment, des couleurs, il y a des couleurs, etc. Et donc voilà, ça, c'est un peu
la base de ce truc. J'ai cru comprendre aussi que Marchand de trucs allait arriver avec un livre, un peu aussi avec un jeu où vous avez les objets dans les mains. Donc j'en sais pas plus puisque le livre n'est pas encore sorti. Mais regardez aussi un tout petit peu ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous décortiquer à peu près les routines qu'il y a dedans, très rapidement. Il y en a qui sont mes préférences parce que peut-être je me suis attardé un tout petit peu. La première de tête s'appelle Shiopopsy, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Shiopopsy, c'est une des premières, voilà, alors ça se dit chiropsie. Donc chiropsie, c'est un effet où vous prenez trois objets, vous les mettez devant vous, vous demandez à un spectateur de prendre un objet et de le mettre, si je dis pas de bêtises, sous la table. Pour être sûr que je dise pas de bêtises, je vais regarder un tout petit peu. Donc il va aligner les objets. Effectivement, c'est ce que j'étais bien persuadé de ça. Il prend un objet, le met sous la table et vous allez pouvoir deviner c'est l'objet qui a été choisi, etc. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment plusieurs idées. Il y a 2, 4, 6 routines. Il y en a deux, c'est deux versions complètement différentes. Il y en a une où vous avez des objets. Il y en a une autre un peu plus loin qui, de mémoire, s'appelle Tasty M&M's. Alors ça, c'est super. Vous sortez 3 M&M's de 3 couleurs, vous faites faire des manipulations et vous expliquez qu'en fait, vous êtes capable de deviner celui, le M&M's qui est choisi grâce au goût. Donc, vous demandez au spectateur de déplacer des M&M's. Je ne vais pas tout faire le dérouler, mais un peu ça. Bien sûr, vous êtes toujours de dos. Hein. Sachez une seconde que vous êtes toujours de dos. La personne est de dos. Elle déplace des M&M's. Elle en a choisi un, elle prend les deux autres qu'elle n'a pas choisi après avoir fait des manipulations, etc. Et vous lui faites goûter, vous dites est-ce que vous ressentez quelque chose? Non, vous prenez vous un, vous le goûtez, vous dites que grâce au goût, vous savez que le choix du spectateur était le choix vert, alors que bien sûr, ce n'est pas celui qui est resté sur la table, parce que sinon, ça serait trop évident. Donc voilà, il y a cette version qui me plaît beaucoup, moi j'adore. Ensuite, la même chose, mais sans M&M's. Donc là, vous avez un truc sans M&M's, c'est-à-dire vous y faites imaginer au spectateur qu'il y a 3 M&M's sur la table et vous lui faites faire cette chose-là. Donc, je crois que cette version s'appelle Invisible M&M's, voilà, de tête. Je pourrais chercher, mais pour éviter de perdre du temps, c'est ça. Il y en a une aussi qui me plaît énormément aussi sur les M&M's aussi, c'est avec le son. Donc, vous allez pouvoir sortir 3 M&M's de la même couleur, je crois, de tête, la même couleur. Vous demandez à un spectateur d'en choisir une et de la suivre avec les déplacements que vous allez lui demander de faire. Ensuite, il va couvrir les M&M's avec des gobelets, des tasses à café. Et avec le bruit des M&M's, vous allez lui dire le M&M's que vous avez choisi est celui qui est en position numéro 2, etc. Donc, il y a vraiment, vraiment des variations, des choses complètement différentes, des choses vraiment très intéressantes dans tout ça. Ça, c'est vraiment très subtil. Il y a aussi un jeu qui s'appelle Las Vegas Loser. Je l'ai juste devant moi. Las Vegas Loser, c'est vous allez dire au spectateur, j'ai 3 enveloppes. Dans une enveloppe, il y a un billet de 10. Vous allez dire que dans les enveloppes, il y a 2 enveloppes gagnées et une perdue, ou une perdue et 2 gagnées. Je pense si on comprend l'idée, on peut faire à l'envers. Vous demandez à des spectateurs de poser les billets devant, vous allez lui faire plusieurs manipulations et à chaque fois qu'on ouvrira l'enveloppe, il y aura gagné ou perdu. En fait, le spectateur ne gagnera jamais. C'est très troublant comme truc, mais à chaque fois, il aura perdu. Il ne gagnera pas à chaque fois. Donc, c'est vraiment très bien pensé. Voilà, ça demande aussi juste comprendre le handling. Donc ça, qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Je vous garantis, c'est que de la bombe. C'est que des trucs vraiment très intéressants. Vous avez un jeu aussi qu'ils appellent Rob the Bank. Rob the Bank, c'est une version avec 6 enveloppes. Vous avez 6 enveloppes, vous avez besoin de 6 spectateurs, donc ça peut se faire sur scène. Je pense qu'on peut faire ça aussi en close-up avec minimum 6 personnes, puisque je l'ai fait avec 6. Vous donnez 6 enveloppes il y a 6 enveloppes. Chacun spectateur prend une enveloppe en montant sur scène. Vous faites quelques manipulations et bien sûr, toutes les enveloppes sont perdues et celles que vous gardez, vous avez gagné à l'eau, etc. Donc, c'est un peu dans ce style d'esprit de tour. En tout cas, voilà, je pourrais vous en faire 2 heures de ça. Donc, pour cette méthode, ils expliquent qu'il y a besoin de 6 participants.
etc. Bien sûr, les enveloppes sont numérotées avec ou des cartes à jouer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou des cartons avec marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous faites déplacer les cartons, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que voilà, qu'encore une fois, pour regarder un peu pour la version avec les 6 trucs, vous avez tous les détails, toutes les photos, tous les détails de tout ça. Voilà, un truc qui est super bien fait aussi, c'est qu'à la fin, vous avez les sources et les inspirations des effets. Il cite, ça va de Paul Curie en passant par Alexander De Kova, Patrick Redford, Alain Hou, Bruce Bernstein, j'arrive jamais à le dire son nom, voilà, mais tous ces gens-là, ils vous renvoient sur Martin Gardner, Karl Fulks, etc. Que des grands noms, des gens qui ont tous pensé à ça, mais encore une fois, ils partent sur la version, l'effet de base de Bob Humer. Donc voilà, je pourrais vous en dire 2 heures sur ça. En tout cas, les amis, allez-y, foncez sur Inversion de Pierre Bock comment on appelle ça, et Yves, non, Pierre Bock, c'est là où c'est compliqué quand on ne connaît pas bien la personne. Donc Pierre Bock et Yves Meyer. Je ne sais pas si c'est Méré ou Meyer, je vais revenir en arrière pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien Yves Méré et pas Yves Meyer. Donc Yves Méré et Pierre Bock, hein, excuse-moi Yves d'avoir écorché ton nom. Donc voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. En tout cas, Inversion, c'est de la bombe. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est français, les gars ont bossé comme des malades dessus et je pense que ça vous plaira et j'en suis sûr parce que vous allez pouvoir dégainer ça n'importe où. Prenez 3 objets, posez-les, bam, 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 machin. Et pire, vous pouvez ne pas poser des objets puisqu'il vous explique une version où il n'y a même pas besoin d'objets devant vous. Donc, je vous dis à tout de suite pour la conclusion et merci en tout cas de votre attention. Alors les amis, on en est à la conclusion de cette vidéo. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Encore une fois, les vidéos sont un tout petit peu longues, mais malheureusement, on est obligé de dire tout ce qu'on a envie de dire et c'est normal que ça fait un peu long. Donc aujourd'hui, on a vu Money Switch de Michael Chatelain. Foncez, allez-y, c'est un super produit. Vous allez être content de la méthode. Vous aurez ça dans votre portefeuille. Bien sûr, vous allez vous amuser un certain temps avec. Et puis après, ben, on va passer à autre chose comme pour tout. Ça, c'est pour le premier produit. Merci Michael Chatelain. Très très belle idée et tu sais tout ce que je pense de ta magie. Branded de Tim Trono, pareil, super content de pouvoir vous parler de ça, même si encore une fois, je l'ai dit, on en a déjà parlé dans plein de reviews. C'est un produit qui a quelques années maintenant, 2008, 2017. Hein, faites le calcul et vous allez voir que c'est pas un produit tout neuf. Donc Branded, je vous ai dit le maximum de choses que je pourrais vous dire, mais en tout cas, moi je vous recommande d'avoir ça, c'est facile à avoir, le briquet dans votre poche, dans vos affaires de close-up. Aussi, mon coup de cœur peut-être de la semaine, c'est Inversion de Pierre et de Yves Méré, donc Yves Méré, hein, pas Meyer, et Pierre Bock. Donc merci les amis d'avoir sorti ce PDF, ce e-book, j'espère que vous en aurez plusieurs. D'ailleurs, petite chose, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, Pierre, mais ça me démange, donc je vais le dire. Pierre Bock est en train de préparer en ce moment une conférence et il va passer un peu, je pense, dans toute la France. Donc attendez-vous que dans les 6 mois qui vont arriver, il va commencer à lancer un peu sa conf. Et je connais les 2-3 idées qu'a sorti Pierre, hein, entre autres, pour ceux qui connaissent, hein, il avait sorti Shop Test il y a quelques temps aussi, un truc de Book Test et tout. Donc, il a toujours des très, très bonnes idées, de très, très bonnes idées. Donc, Pierre prépare donc une conf. Je pense que moi, déjà, en tout cas, je vous en parlerai quand ça arrivera. Je sais que je serai un des premiers aussi à le recevoir avec plaisir dans ma région. Mais voilà, intéressez-vous à son travail. Il a de très, très, très bonnes idées. Il participe aussi à la revue de Julien Loza dans quelques tours qu'il fait aussi. Mais en tout cas, voilà, merci les amis de nous avoir fait découvrir ça. Je vous dis à tous bonne fin de semaine, prenez du bon temps, faites-vous plaisir, couvrez-vous. Merci à tous de partager cette vidéo, de la liker, d'aimer, de commenter. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une nouvelle review, un nouveau numéro. Et merci en tout cas de votre fidélité et de votre attention. Je vous dis à très vite.